Pris ma fronde, t'en as pas besoin. Viens. Salut à tous, c'est Steak du 45 et on se retrouve pour la suite du jeu. Donc la dernière fois on était emprisonné. Là on doit suivre la jeune fille. Y'a un garde. Arthur va le faire bouger. Quoi? Comment? Il va faire diversion. Il attend notre signal. Regarde si tu vois quelque chose qui pourrait nous aider. Là j'arrête. Très bonne idée. Tiens-toi prête. Prête à quoi? À me coller au train. Alors c'est ton frère? Oui. On y va. On a une idée du nombre de morts de notre côté? Difficile à dire. Des milliers, ça c'est sûr. Mais les rats compliquent le comptage. J'aurais autant juré. Hugo est seul avec ces criminels. Ils lui feront rien. Tu comprends pas. S'il a peur, tu auras... sois patiente. C'est une ruse des Valois ou quoi? On doit se frayer un chemin. Non. Les rats ont décimé des villages Valois. On rapporte des milliers de morts par morsure ou contagion. C'est un fléau divin. Et c'est que le début. Y a pas de place pour une guerre là-dedans. Tu as vu ça? Ça fera pas assez de bruit. On va rapatrier nos troupes. Le tonneau avec les lances. Bien vu. Tiens-toi prête. Bien joué, Arthur. On y va. Fais gaffe aux bouteilles. Ah oui. C'est bizarre. Je vais jeter un œil. Fais gaffe. On sait jamais. Des enfants. Oh merde. Ils sont dangereux. Oh, ils s'entraînent sur... Hey, t'as tué deux chevaliers français hier. Ici, ils sont ici, ça va. Oh merde. C'est qu'on la charge. Je voyage pas tant que l'endroit est pas sûr. La gloire. Ah putain. Faut de sa bouteille de merde. Des Valois ou quoi? Non. Les rats ont décimé les villages. Ah, on conçoit zéro? On rapporte des milliers de morts. Tu dois se frayer un chemin. Tu as vu ça? Ça fera pas assez de bruit. Le tonneau avec les lances. Bien vu. Tiens-toi prête. Ou une guerre là-dedans. Le roi Édouard doit rapatrier nos troupes. Bien joué, Arthur. On y va. Le thème dit attention aux bouteilles. Ah, puis j'en casse une. Vos bouteilles. Attends. Oh, c'était rien. C'est bon. Elle n'est pas cassée. Fais attention. Quelle plaie d'attendre entre deux batailles. Et les deux là avec leur arc. Oh, ils s'entraînent sur un mort. Eh oui. Dingue. C'est ça la guerre. Oh. Voilà comment on enseigne la discipline à un Valois. Hey, reste baissé. D'accord. Hier. Ouais, et c'était pas dur. C'est qu'on la charge sans réfléchir. On y va. La gloire. Les héros et leur armure qui brille. Suffit de trouver la brèche et hop. C'est les meilleures cibles. Fais attention. C'était une sacrée putain de victoire, je vous le dis. Regarde ça. La tente nous gêne. Ah ouais. On va faire un tour là. Le pic. Tu verras que la hyène a pris des putains de rats. On va devoir passer par là. Vous avez des torches. Regarde, la marmite. Ouais, t'as l'œil, dis donc. Je les ai vu jaillir du sol par centaines, comme des diables. On y va, à gauche. Pas d'idiotie. On a besoin de toi, vivant. Les enfants de Valois. Le fils et la fille du chevalier Robert de Rune. Le chevalier à l'arbre. Ces faits d'armes du temps où les guerres royales sont célèbres.
et il n'est plus au service du roi Philippe. Un tel intérêt pour des enfants est étrange, en effet. Allez donc questionner la sœur. Elle doit être réveillée. Oh non, t'inquiète. C'était couru d'avance. Mal du tout. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment. Je rentabilise ton sauvetage. Voilà ce que je fais. Et ce coffre alors? J'ai vu. La poudre. Sans doute du matériel alchimique. Aucun intérêt. Moi ça m'intéresse. Je peux l'ouvrir. Dis-moi. Je veux bien, s'il te plaît. Chaque victoire, c'est pareil. La moitié de raison. T'es folle. Quoi? C'est passé, non? De justesse. C'est mon frère. On dirait, oui. Vite. Viens te chercher. D'ici peu, tu seras loin d'ici. Hé, Armicia. Où elle est? Ma sœur. Oh les chiens. Donc on va la garder avec nous, pas vrai les gars? Non, non, s'il vous plaît. Réjouis-toi d'être encore vivant. La fille. C'est une la chose fille. Rare, c'est temps-ci. Hein? Quoi, la fille? Mais allez, parle. La fille s'est échappée. Sa cage est ouverte. Tout le monde la cherche. Merde. Dispersez-vous. Surveillez les portes. Mais restez sur vos gardes. Une cage s'ouvre pas comme ça. Peut-être un coup des Valois. Profitons-en. Alors, libérez Hugo. Y'a plus personne? Les tentes! Hugo, ces tentes. Je suis là! Amicia, ça va? Tu n'as rien? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir! Faut descendre cette cage. Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde, ils l'avaient quand ils t'ont enfermé? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. Tu t'en charges. Putain. Enfin. Amicia a retrouvé son équipement et peut à nouveau avoir accès à sa fronde et son inventaire. Ok. Je ne reverrai plus. C'est faux, tu vois. Je suis là. On reste ensemble, hein? Bien sûr. Et on va partir avec Mélie. Elle est là pour nous aider. C'est la voleuse. Et elle est désolée de nous avoir dénoncé tout à l'heure. Hein, Mélie? Ouais, ouais. Je suis une vilaine fille. C'est bon? On peut se tirer? Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord. Il y a une sortie vers le fond du camp. Si tu sais te servir de cette fronde, vaut mieux que tu passes devant. Oh. Les tentes, fouillez-moi ça. Soldats, au rapport. Toujours rien. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas sortie du camp? Répartissez-vous, séparez-vous. Et faites attention. Sauf que je les vois pas en fait. Ah, attends, il y a un mec là.
J'en ai assez de fuir. Hé, toi. Allez. Ils sont les ordres. Oh bordel, laisse-moi jouer. Ah, il me laisse pas jouer. Oh. Et en plus, le combo, il peut savoir que je suis derrière là. Parce qu'il est derrière la tente. Soldats, au rapport. C'était quoi? En fait, j'ai pas vu, il y avait deux mecs. Oh là là, il a le coup de chance qu'il a eu. Des gamins. Allez. Et il a eu un coup de chance. Vous en voulez encore? J'en ai encore. Bah va prendre un cheval et partir. Ah bon. Quoi? Ah ouais, le mec il va vite de là. Laissez-nous en paix. C'était... Quoi? Tu veux gagner la guerre à toi toute seule ou quoi? Ah bah moi, je suis comme ça. Hein. C'était quoi? Ah, quoi? Il y a quelque chose. Allez, vous. Je paye une rançon pour les enfants de Rune, et je dois les capturer moi-même. Ces Plantagenets sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Melly, fuyez! Garde devant! Élimine les Alicia! Ils arrivent! Hey, l'Inquisition! Fuyez son frère! Mais qu'est-ce que vous avez? Viens! On n'a rien fait! C'est bon, il faut tirer! On a une sortie! Ramène-toi! Ne ralentis pas, Hugo! Suis Melly! Amicia! Arrête de courir! Vite. Livre-nous, Hugo. Oui, j'arrive. Là, il arrive. Ils vont entrer. Pas beaucoup de temps. Par là, vite. C'est ouvert, c'est fermé. C'est bon, on y va. Dépêche. Tu me bloques la route. Wow. Quoi, tu vas mourir. Il y a une chaîne, Melly. Melly lâche la chaîne. Mort, ils sont beaucoup trop nombreux. Mais elle a fait n'importe quoi, la fille. Pourquoi tu vas 200? Ça va pas vite, hein. Moi, ce serait moi, je l'aurais crocheté direct. Allez. Je peux pas les avoir tous. Ils vont ouvrir la porte, ils sont là. Allez-y, je m'en occupe.
Il n'y a pas de place pour vous. Fermez-la! Laissez-nous tranquille! Ah, c'est bon. D'accord. Ramène-toi! Là! Ils sont là! Attrapez-les! Amicia! Alors, marchandises endommagées. Septième, le chemin qui nous attend. Waouh, waouh, waouh. Donc des chapitres, il y en a 17. Et là, je suis au septième, donc il reste encore 10 chapitres. Ok, on attend. Tu sais où on va? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas, il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Alors on va revoir Lucas? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. On est sur la bonne piste. Allez, traînons pas. On n'est pas sortis d'affaires. Au fait, allez. Qu'est-ce que vous foutez avec l'Inquisition aux fesses? Il a quoi de spécial, le petit? C'est compliqué. Et ton frère, ça va aller? Il nous rattrapera. Il nous a vraiment sauvé la vie. C'était incroyable. Hé, hey, tombe pas amoureuse, t'as compris? Ou il brisera ton petit cœur. Quoi? Mais non! Hé, hey, un moulin! Ouais, on va traverser par là. Waouh! Il est toujours... comme ça? Il a pas beaucoup vu le monde. C'est pas le meilleur moment pour commencer. Le premier au moulin a gagné. Hey, vite. C'est fermé. Laisse-moi faire. Ouvert. Elle est géante, cette roue. C'est pour écraser le blé. Oh, le courant est trop fort. Comment on va faire pour passer? Amicia, on va trouver un moyen. Faut qu'on arrête cette roue avant, ou ça finira mal. Le courant diminue, mais c'est pas suffisant. Il doit y avoir autre chose. Je te laisse faire, Hugo. Oui. Ok, non. Ça marche! Ouais! Allez, il n'y a plus qu'à traverser. Amicia, tu pars pas sans moi, hein? J'arrive, Hugo. Je cherche simplement le moyen de te faire passer. J'ai déjà entendu Arthur me dire ça. Attends. Ouais. Non, arrête-toi. Je pourrais t'aider de l'autre côté, Amicia. Mais là... Ne bougez pas. Hugo, j'ai besoin de toi. D'accord, fais vite. D'accord. Mélie, tu peux t'en charger? Ça marche. Bon, on va voir si ça tient. C'est pas aujourd'hui que je prendrai un bain. Arrête. D'accord. Ah, c'est bon. Et voilà! Tu vois, c'était pas dur. On a battu le moulin! Si jamais l'Inquisition arrive jusqu'ici, ce truc-là les ralentira, à coup sûr.
Alors, on peut rien améliorer, super. Super. On va passer par là. Allez. Essaye de m'impressionner ou quoi? Hein? Non. Bon allez, venez. C'est joli ici. Ça sent la terre. L'aqueduc. Lucas est là-bas? J'espère. Il va pas avoir fière allure, votre château. Pourquoi? Il y avait un village ici. Il a été rasé en une nuit, il y a bien longtemps. On dit que le coin est maudit depuis. Amicia? Elle plaisante, Hugo. Bien sûr que je plaisante. Depuis quand je dis des trucs? Amicia? Hugo, qu'est-ce que tu fais? Viens. Oh. Hugo? Hugo, regarde-moi. Ça recommence? C'est ta tête, c'est ça? C'est comme une chose qui grossit dedans. Mes jambes, elles tremblent. Me dis pas qu'il a été mordu. C'est pas la morsure, c'est quelque chose dans son sang depuis qu'il est petit. Je vais le porter. Grimpe sur mon dos si tu peux. Allez. Pardon. Ne t'inquiète pas. Si c'est dans son sang, toi, t'as rien? Non. Mais Lucas essaie de freiner son mal. C'est aussi pour ça qu'on va au château. Amicia. J'ai peur. De quoi, Hugo? De ce qu'il y a dans ma tête. T'en fais pas. Ça arrive aussi aux grands, ça. On y est. Tu vas te reposer. Enfin. Aide-moi à soulever ça. J'arrive. Hugo, descends, s'il te plaît. C'est ça ta maison? C'est une planque, bonhomme. C'est fait pour se planquer, pas pour recevoir des gens de la haute. Touche pas! C'est à mon frère. Ça vaut cher, très cher. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça? Comme des gibiers de potence, tu veux dire? C'est comme ça chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la fois de trop, alors on a détalé. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout noble ça? Noble? Amicia! Ça veut dire quoi, ça? J'ai froid. Noble, regarde-nous bien. On n'a plus rien, Mélie. Tu te fous de moi? Qui c'est qui va nous payer, alors? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riche. Mais... C'est bon, oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion. Alors, tu vois quelque chose? Non, c'était rien. Hé, hey, les gars! Par ici, venez m'aider! Les ennuis continuent. Où ça va? Ça va dehors. Oui, mais dehors, où? Fais-moi confiance. Et ton frère? Il aurait déjà dû être là. Désolé. L'enterre pas trop vite. Merde, restez baissé. Il a un casque. Oh, des Vorantis. Quoi? Des Vorantis. Salpêtre et alcool. Ça brûle la gueule et ça ronge l'acier. Personne peut garder un casque sur la tête avec ça. Prépare-moi ça. Vise le casque. Défonce-lui la tête avec une pierre. Allez. Voilà. Et après la moulée de pierre. Bien fait pour sa trogne. Ça fait du bruit. Dis donc, t'es pas un peu rabat-joie, toi?
soufre. Des pierres. Merde. Regarde, il y en a un avec un casque. Tu sais quoi faire. Oui. Dans une des caisses. C'est un bordel sans nom là-dedans. Duc, je sais où est le château d'Ombrage. Par là, suivez-moi. Voilà, donc je ramasse mes pierres. Oh non, je le savais. Du calme. Mais il y en a partout des pistes ici. C'est un coin à sanglier. Vous voyez la haie s'éclairer là-bas? C'est par là qu'on sort. Bon, Amicia, tu as la fronde. Tu passes devant. Oh. Hugo, tu surveilles la zone. Fais pas un bruit. D'accord? Entendu. Il me cherche encore. Le souci, c'est que si lui je laisse. Ah, ça va être compliqué. Il y a bien celui d'au fond là. Il a un masque ou pas lui? J'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir s'il a un masque celui devant. Ouais, il a un masque, hein, non? C'est quoi? Oh, la musique. Lui, il a pas de masque. Ah oui, il m'a dit qu'il faut aller de l'autre côté. Alors, fais voir. Est-ce que je peux construire encore? Attends. Lui, il a un masque ou pas? Non? Je sais, j'arrive pas à voir s'ils ont des masques. Non, pas de masque. Hop, des pierres. Moi, je suis un peu bourrin, donc je tue tout le monde. Hein. Paraît que les gamins ont foutu un sacré bordel chez les Anglais. Jamais vu une explosion pareille. J'en ai encore les oreilles qui sifflent. On a pris le coupable. Un jeune voleur qui aidait les deux rumeurs. Il est au bastion pour interrogatoire. Il a de la chance. S'il n'avait pas des informations sur le petit, je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièces. Merde. Merde, merde, merde. Oh, Ellie, je suis... Non. Putain. Après, je peux la tirer là. Il n'y a rien comme bruit.
beaucoup d'hommes pour juste des gamins. Et le grand inquisiteur n'a pas l'air de ménager beaucoup le seigneur Nicolas. Nicolas a une vie. On l'appelle pas le moine écarlate pour rien. Il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche. Parce que je crois qu'il y a un mec là-haut, là. J'arrive pas à le voir. Lui, là. Ok. Téléchargement impossible. Ouais. Bah, voyons. Alors, faut pas que tu me vois là, c'est de fond. On y est presque. La R s'est fermée. Il y a toujours une porte plus discrète. Allez, avance, avance, avance. Ne restons pas là. Allez. Je vous en prie. Trop aimable, votre Altesse. Allez, avance. Que vous allez me faire? C'est Lucas. Le chariot de ravitaillement arrive bientôt. Ils t'amèneront en ville au bastion de l'Inquisition. Amicia. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ah bah je suis mort. Ah ouais, elle s'est même pas tirée, elle a tiré à côté. C'est quoi ça? Elle a tiré sur le côté, mais non. C'est du n'importe quoi. Déjà j'ai une visée de merde. Et en plus il a tiré à côté. Attention, c'est Lucas. Le chariot de ravitaillement arrive bientôt. Ils t'amèneront en ville au bastion de l'Inquisition. Amicia. Fait ça. Ah là, c'est bon. Je suis tellement content de vous voir. Oh, t'as rien de me pousser, tranquille. C'est bon. Oui. Est-ce qu'on ramasse tout ça déjà? On a fait une énorme explosion. Ça a fait boum. Et on est allé chez Millie. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Eh, je t'entends. Et toi, Lucas? Ça va? Eh, ça vous dit de faire ça en courant? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer. Vous en pensez quoi? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être tout proche. En route. Venez. L'aqueduc continue par là. Ça n'a pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois? Oh non. T'avais juste oublié de nous parler de l'Inquisition. Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi? On va s'arranger. Va dire ça à mon frère. Qu'est-ce que c'est? Un accident? C'est un chariot de l'Inquisition. Léra. Ah. Il doit y avoir des choses à prendre là-dedans. Je vois pas comment on va pouvoir passer. Oh, Amicia, j'ai quelque chose pour toi. C'est un dérivé de l'unifère. Luminosa. Tu l'envoies au milieu des rats et... Enfin, tu verras ça par toi-même. Tiens, prends. Salpêtre, alcool et cuir. Mélange-les. Merci. Lance-le sur les rats. Oh, Luminosa. Ah, ça pique les yeux. Si reste maison dans votre inventaire. Ils ont été pulvérisés. Hein? Ah, j'avais perdu. Lucas, le chariot est plein de matériel alchimique. Oui, c'est logique. L'Inquisition n'aurait pas pu remonter jusqu'à la Macula sans l'aide de textes alchimiques. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais... En tout cas, ces chariots nous seront utiles. Et avec tout ça, je peux construire rien du tout? Ah si, une corde. Ah bon? Grâce à un traitement spécial de la corde, Amicia améliore sa prise à la fin, rendant son maniement plus efficace et rapide. Ah ouais. Pas mal. Pas mal du tout. Il y a encore des bugs de téléchargement. Alors, ça c'est bon. L'aqueduc, on arrive.
Enfin. On va enfin savoir. Ah, elle est où la fille? Elle est derrière. On va monter sur l'aqueduc. Hugo, on dit. Ah non, c'est le mec qui est derrière. Ah. Aqueduc. Aqueduc. Mélie, où est ton frère? J'ai pas envie de parler de ça. D'accord. Y'a pas un souci, là. Hein? Vous vous foutez de moi? Ah ouais, d'accord. Je vois le jeu, alors. Wow. T'as l'œil. Non, d'accord. Vas-y, monte. Oui. Quoi? C'est tout? Il y a rien ici. Lucas, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non, non, non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose comme ça. Moi, je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. Qui passe en premier? Bien vu. Amicia? Allez, c'est plus le moment de reculer. Bien parlé. Waouh! Oh là là! C'est joli. Oh! Eh ben... Est-ce que c'est... la mer? Non. Juste une poche d'eau souterraine. Hé, hey, il y a un ponton! Des gens utilisaient ce lieu. On est sur la bonne voie. Donc là, il est fermé. Est-ce qu'on peut le casser? Ouais. Bravo! Un bac à trail. À toi, Mélie. Lucas! Viens faire ta part au lieu de roupiller. Oui, oui. L'eau est toute verte. C'est bon, arrête. Merde, d'accord. Sorry. Mélie, j'ai besoin de ton aide. Ouais. Pas de problème. Ah d'accord, il y a un truc là-bas. En tout cas, je vois qu'il y a un truc. Est-ce que je peux y aller? Non. Ah. Et là, il y a des trucs, il y a des trucs là que je parle. Ah non, pas. La barque n'attend que vous. Ah si. J'y vais. Ah, je prends juste ça. Par contre, il fait sombre. Hein. Waouh. Oui, vas-y, monte. J'espère qu'ils savent nager. Accrochez-vous. C'est parti. Wow. Je vois pas de poisson. Oh, ça, c'est à cause du monstre. Hein? Un monstre? Bien sûr. Les lacs souterrains sont magiques. Des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. D'ailleurs, attention, ils sont aussi très fins. C'est pas vrai. S'il y avait un monstre, on verrait des grosses bulles. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres, c'est des choses... Des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elle m'avait dit ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir un monstre. Ah bah, pas moi. Allez, on débarque. Oh, c'était trop court. C'est vrai, mais chacun son tour. Y'a pas de monstre ici, mais y'a peut-être une baleine. C'est gros une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas? Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite, mais je suis sûre qu'elle est jolie. À votre tour! On arrive! Oh.
cacher. Ça va? Oui, oui, ça va. J'aime pas trop l'eau. Elle aime pas l'eau? Amicia et Hugo, peut-être mourir et j'avais peur. Je... T'en fais pas. On n'en parle plus. Mais tout ce qui me plaira au château, c'est à moi. Entendu. Vous parlez de quoi? De trucs de grand. Allez, on continue. Oh, c'est fermé. Pas pour longtemps. Écartez-vous. Eh vas-y, crochette ça. C'est ouvert. C'est quoi ça, c'est de la braise? Oh, et voilà ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est... Non, pas possible. Ah, le ciel, ça? Je dois voir ça de plus près. Cette fosse. Quoi, Lucas? Qu'est-ce qu'il a? Ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée. Lucas, celui-là, dans l'autre sens. C'est un système de défense. Comme un château? Comme un piège à rats, qui protège quelque chose. D'accord. Et comment ça marche? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas. On regarde. Viens, Mélie. Pendant que les âmes rêvent, il faut qu'on avance. Qui a construit ça? C'était... peut-être des chevaliers. Je doute que des chevaliers manient la pierre et le mortier. Mais des artisans, oui. Et ils étaient nombreux. Lucas, le château, il a été construit il y a longtemps. Mais les rats, ils sont pas là depuis longtemps. Oh, fermé. Juste. Mais Lily, tu peux l'ouvrir? Non. Ça me donne la chair de poule. Peut-être de l'autre côté. Ah, ouais, d'accord, ça se bouge. C'est de l'autre côté. Bon, allez, venez. Allez, monte. Monte, je vais t'aider. Ça marche. Alors, je regarde s'il y a des trucs à ramasser. Je m'occupe de la porte. Donc là, il y en a encore. Allez, passez, bande de feignants. Donc ça, je l'ai allumé. Ah oui, d'accord, il fait le tour. Il y a peut-être un truc, pardon. Une échelle. Ah, il n'y a pas d'échelle. Ah si, d'accord, l'échelle est là. Donc il va falloir que je remets le feu là. Ah oui, d'accord, ça a poussé les rats dans le truc. Il n'y a pas à dire, c'est efficace leur système. Allons-y. Voilà, hop, il revient le petit enfant. Je passe devant. D'accord.
encore une porte. C'est peut-être la bonne. Je demande juste qu'il n'y ait pas de rat derrière. Ellie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Oh là là, ça commence à bien faire ces portes. Il est là! Le château! Wow. Il existe vraiment. Le château d'ombrage. Il est superbe. J'ai douté un moment. Mais ça... ça, c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Allons le château. Voir de près. Bon, donc, atteindre le château. Bon, et bien voilà, c'est la fin de ce petit let's play. J'espère qu'il vous a plu. Donc, dans la prochaine mission, il faudra atteindre le château. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!